nous a rejoints en 90. On les a battus le 2001, 2003 et 2005. Non, ça, non c'est... 2005, je suis pas d'accord avec toi. 2005, ils vous ont battu. Ah bon? Ouais. T'es sûr de ça? Bien sûr. Ah non, il faut que tu révises tes classiques, garçon. En 2001, déjà, ils n'étaient pas là. Dès qu'ils avançaient, on était là. Non, attends. Connard. Zidane, c'est un mec que je respecte, c'est un très grand joueur. Mais il n'a pas autant de palmarès que Messi. Messi, il tape 3-4 buts par match, mec. Eh, ça sert à rien de comparer le Barça et le Real. Jamais. Non, mais je suis pas en train de faire une comparaison. Je suis juste en train de remettre les pendules à l'heure. Écoute, à l'époque, la France était la seule équipe au monde qui a battu tous ses adversaires. Mais non. Et qui a battu aussi le champion. C'est le seul pays qui l'a battu. Attends, je t'explique, la France, c'est quoi? C'est le seul pays. Qui est un pays qui est assez connu, qui n'a jamais rien gagné. Ils ont dû quoi? Ils ont dû vendre un sac de, que je dirais, un bateau de riz aux Brésiliens parce qu'ils sont pauvres. Ils leur ont donné, ils vous disent, couchez-vous, comme ça on tape 3 buts et on gagne la Coupe du Monde. Classe.